l'envie d'avoir un spa venu assez rapidement après qu'on soit installé dans une maison et qu'il y a eu la possibilité d'installer un spa. Et donc une fois qu'on a eu cette envie avec ma compagne, on a recherché des entreprises qui pouvaient nous proposer un spa qui nous convienne. Alors comme on a recherché, on est allé sur des salons, d'abord pour voir un peu ce qui se faisait, ce qui était possible ou pas, et puis les gammes de prix, parce qu'on peut avoir une envie, et puis se rendre compte que bon en fait c'est pas dans notre budget. Donc on a commencé par là, aller regarder différents spas dans un ou deux salons, piscine et spa. On connaissait déjà l'expérience d'un jacuzzi en allant dans des hôtels ou dans des spas. Suite à nos visites sur les salons, on a vu que les tarifs qui étaient pratiqués étaient quand même relativement élevés pour nous. Et puis on s'est dit, bon, là on a vu 2, 3, 4 exposants, il y en a plus que ça en France. Et du coup on a recherché sur internet avec Google qui pouvait proposer des spas, et c'est là qu'on a découvert Spa Alina. Donc on a fait des comparaisons avec d'autres fabricants sur les modèles, les prix, et puis finalement l'expérience a été très bonne chez Spa Alina. En fait il y a une chose sur le site web de Spa Alina qui nous a fait vraiment pencher pour le choix du Portofino et pour le choix du coup d'un spa de Spa Alina, c'est la vidéo de présentation avec une personne où on voit le spa en eau et à vide. Donc ce qui permet de vraiment bien voir les jets, les emplacements, le nombre de jets et de vraiment se projeter. Beaucoup plus facilement que sur une photo. Donc ça a été un des facteurs clés pour nous, parce qu'il y avait d'autres où on voit 2-3 photos, mais au final on ne se rend pas vraiment compte de ce qu'on va recevoir. Nous convient parfaitement, on est vraiment satisfait du Portofino. On l'utilise très régulièrement, au moins une fois toutes les semaines. Ce qui nous a plu avec le spa Portofino, c'est le nombre et la puissance des jets et le fait qu'on peut les orienter ou même les fermer certains jets. Et ça s'adapte à la morphologie, à celle de ma compagne. C'est ça qui nous a vraiment, qui nous plaît vraiment au quotidien. Avec le spa Portofino. Alors, on utilise principalement le spa avec ma compagne, mais il nous est arrivé à nombreuses reprises aussi d'accueillir des amis. C'est toujours un moment agréable. On passe entre amis dans le spa. Et y compris parfois à plus de 5 personnes. Alors, pourquoi on a accepté de devenir ambassadeur de Spa Alina? Principalement parce qu'on est très satisfait de notre spa et de l'expérience avec Spa Alina, que ce soit au niveau des tarifs qu'on a trouvé compétitifs, du suivi du SAV et voilà toutes les relations avec Spa Alina. Mais très satisfait. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi d'essayer de faire découvrir à d'autres personnes les spas que vous proposez. Alors pour le moment on n'a eu qu'une seule visite, donc je vais essayer de relater cette visite-là. Donc quand quelqu'un vient pour visiter le spa, en général, on commence par discuter un petit peu, essayer de savoir ce qu'ils recherchent. Quel genre de spa ils recherchent et quelles questions ils ont, pourquoi ils viennent voir un spa. Est-ce qu'ils ont des questions particulières sur l'utilisation, l'entretien ou autre. Et puis on leur montre le spa. Et puis là, on a une discussion, on essaie de répondre à leurs questions, leur fournir quelques conseils si on en a. Et puis voilà.